D'abord, à l'occasion de ce 40e anniversaire, ce bel événement qui remémore l'histoire, tellement belle histoire d'amour du ciseau, je voudrais rendre hommage tout d'abord, aux fondateurs et fondatrices de cet organisme merveilleux où j'ai travaillé, où je laisse ça. Je garde de si beaux souvenirs, ceux qui sont partis, qui sont physiquement pas présents avec nous. Je parle de Michel Chartrand, je parle de Robert Quevillon, je parle de Rézec Farage, Claude Guy Pilon de Suco et Guy Lafleur du SCAL. Puis il y a Micheline Sicotte qui est la dernière qui nous a quittés au mois de mars après une longue maladie. Ce sont des pionniers qui réellement qui ont été l'âme de la Fondation Ciseaux, de la Ciseaux, de la conférence, et qui ont donné beaucoup, beaucoup de leur temps, qui ont donné beaucoup de leur imagination, leur énergie pour la survie de cet organisme qui s'est transformé en centre international. Alors évidemment que c'est remercier aussi tous ceux et celles qui ont travaillé à la mise sur pied de cette conférence. La liste est tellement longue que je ne peux pas m'aventurer à en nommer. S'il en oublie, c'est impardonnable. Alors, tous ceux et celles qui ont mis leur grain de sel, leur énergie, leur âme, leur cœur, et qui a fait que cet organisme est encore vivant parce que les racines sont profondes. C'est parce que c'est dans le cœur des Québécois et c'est quelque chose de très beau. En 73, je suis encore chez Sœurs du Bon Conseil. Là, je demande une année de réflexion. On me l'accorde sans problème. Je reste dans une famille avec une militante qui travaillait à la maison de quartier de Pointe-Saint-Charles. Moi, j'ai un contrat de deux ans, au Carrefour d'éducation populaire. Je fais des films sur le tiers-monde. Donc, sur la Bolivie, sur les révolutions, sur le Che, puis tout ça, avec les gens de Pointe-Saint-Charles. Là, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi avec le Comité Québec-Chili. Je traduisais à l'aéroport pour les Chiliens qui arrivaient, puis qui étaient arrêtés, là, puis qu'on mettait en interrogatoire. Moi, j'allais traduire pour eux autres. Bon, là, on les amenait à Québec-Chili, on leur donnait des numéros de téléphone, comme où aller chercher du matériel, dont on travaillait avec Québec-Chili. Et là, on a commencé à faire des tournées sur Québec-Chili, à travers tout le Québec. Je suis allée jusqu'au Nouveau-Brunswick. On fait tout ce travail-là et entre-temps, il y a la CISO, la conférence qui est dans le décor. Robert Quevillon, Yves Laneuville, Chago Boivin, tous les groupes là, qui sont avec Québec-Chili, puis tout ça, travaillent avec Michel Chartrand. Puis Michel Chartrand, il avait dit à Robert, il était tellement déprimé puis il avait de la misère à s'en sortir. Il dit, Quevillon, Michel là, dit ça, Quevillon, celui qui t'a mis en prison, parce que lui, il a fait 10 jours en prison. Il était pogné, lui, il était au nord, là, puis là, je t'ai dit qu'il en a mangé. Alors, il dit, celui qui t'a mis en prison, là, puis qui a fait des massacres au Chili, là, il est ici aussi. Celui qui est là à Haïti, là, la CIA, là, puis ça, là, puis l'impérialiste, là, il est ici aussi, là. Mais là, on travaille ici au Québec, là. Fait qu'il dit, on va travailler ici au Québec. Es-tu d'accord? Fait que là, Robert, OK. C'est là que Robert a été très temps plein avec la conférence pendant... 2 ans, là, 74, là, surtout 74, là, la CISO, que ça s'appelait. Mais cette conférence-là, c'est parti d'un voyage de militants avec Michel Chartrand au Moyen-Orient en 72, que ça brassait avec l'OLP puis les Palestiniens qui se faisaient massacrer et tout. Ils sont partis faire un voyage dans ce coin de pays-là et où Michel a rencontré Arafat.
semi-clandestins, là, tu sais, qui l'ont rencontré, je ne sais pas trop où, mais en tout cas, il y a eu une bonne rencontre avec Arafat. Puis Michel a pris un engagement avec Arafat. Faut parler des Palestiniens au Québec. Ça, c'est pas connu, là. On n'en parle pas, les journaux n'en parlent pas, puis on va en parler au Québec. On va faire une conférence internationale. Parfait. À peu près dans la même année, il y a une grosse conférence syndicale organisée par la CUT, la Centrale unitaire des travailleurs au Chili. Et Michel, avec d'autres militants aussi, participe à cette conférence. Et là aussi, il dit, oui, il faut parler du Chili. Il faut parler du Chili. Puis le IND, il avait rencontré là, les gens autour de l'IND. Puis c'est une belle mission. Alors, avec ces deux objectifs-là en tête, Michel Chartrand revient, il en parle à son monde au Conseil central, et là, il dit, ça passe en assemblée facilement, mais là, il se disait, il faut aller chercher les autres centrales, il faut faire ça large, là. Mais quand il en parle, pour la Palestine. Mais quand ils en parlent un peu à la FTQ, là, ils se disent, ils ont beaucoup de syndicats quand même juifs, et puis la Palestine, c'était pas évident, là. Alors, la FTQ n'était pas. Alors, OK, on va faire un compromis, on l'a fait large. On fait la Palestine, l'Amérique latine, les mouvements de libération et l'Afrique australe. C'était en plein dans la lutte là, anti-apartheid, la lutte au Zimbabwe, en Angola, en Guinée-Bissau, bon, tous ces pays-là de l'Afrique australe, ça bouillonnait, puis ça bougeait, puis c'était les mouvements de libération là, qui avançaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en Amérique latine, c'était coup d'État par-dessus coup d'État, dont le Chili, dont tout le groupe de Québécois qui sont sortis de là et de tous les Chiliens qui arrivent ici. Puis là, c'est pas des gens de droite, là, c'est les gens de la gauche qui arrivent ici. Des gens là, qui étaient passés dans les prisons, qui avaient été torturés, qu'on avait réussi à faire sortir de prison et tout. Ça bouillonne, là. Pensons au Québec. Replaçons-nous en 73. Il y a eu les événements d'octobre. Il y a eu la loi des mesures de guerre. Il y a la guerre du Vietnam. Le monde, là, ils sont mobilisés beaucoup, là. L'international, là, c'est proche, là. Tu sais, il y avait des réfugiés qui refusaient d'aller se battre au Vietnam, américains qui se réfugiaient ici, qu'on rencontrait, puis qui étaient des gens aussi qui étaient contre la guerre. Donc, il y avait comme un mouvement au Chili, il y a un coup d'État, c'était la démocratie. Il a été élu à Allende, c'est pas avec les armes, là, c'est pas Cuba, là. Puis là, il y a un coup d'État. On tue un président qui a été élu démocratiquement. Il y a comme une espèce de grand questionnement. Et au Québec, il y a un contexte social, il y a une conjoncture qui favorise l'ouverture. Ça favorise la prise de conscience, ça favorise la mobilisation et ça favorise l'unité des forces ouvrières. Premier front commun, c'est dans cette période-là. Les chefs syndicaux qui se tiennent debout puis qui défient la loi spéciale, puis envoyés en prison. Michel était toujours là, puis envoyé de la bataille. Puis lui, quand il parle de la conférence, là, il dit, il faut aller chercher là, large. Là. C'était toute la bataille à ce moment-là pour l'augmentation du salaire minimum. Il faut aller chercher les groupes populaires, il faut aller chercher les groupes communautaires, il faut aller chercher les ONG. Et là, il ramasse sous le même parapluie FTQ, CEQ, Conseil central, ben étaient eux autres le pionnier, les fondateurs, là. SUCO, Oxfam, Développement et Paix, ça, dans les grosses ONG, il y avait Québec, Amérique latine, il y avait Québec-Palestine. Pendant un an de temps, là, se sont dit, faut pour parler de l'Afrique australe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, puis, il ne faut pas que ce soit juste des conférences, il faut faire travailler en atelier, puis tout ça. Bien, il faut travailler à la base. Et ça, ça a été la magie quasiment de la conférence. C'est-à-dire, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a en commun avec ces pays-là, avec le Québec? C'est les multinationales qui ferment leurs portes, puis qui mettent le monde dehors, puis qui déménagent leurs planètes dans d'autres pays, puis qui font manger de la misère dans d'autres pays aussi parce qu'ils ont des conditions de travail épouvantables. Fait que là, c'est la conscientisation. Fait que tout ça pour préparer le monde qui vienne à la conférence.
puis qui travaillent pendant 3 jours en atelier sur l'économie, sur la répartition des richesses, sur le contrôle, les lois, par qui ça vient, tout ça. Préparer tout ça, là, dans un an, là, c'était tout un défi. Mais c'était extraordinaire. Il y a eu 603 personnes inscrites et participantes, des gens de la Palestine, de l'Égypte, de l'Irak, de la Libye, de l'Algérie. Il y avait, voyez-vous, de l'Afrique, mais où il y avait des mouvements de libération. Il fallait qu'il y ait des mouvements de libération, c'était un des critères. Je travaillais au Carrefour d'éducation populaire, mais j'avais un pied sur cette organisation qui était en train de se mettre sur pied. D'ailleurs, quand j'ai fini mon contrat au Carrefour, je suis rentrée au secrétariat à CISO. Parce que là, et c'était pas prévu ça aussi, qu'il allait avoir un suivi spécifique de la conférence là, qui s'appelait CISO. C'était pas prévu. Michel Chartrand, c'était pas dans sa tête. Lui, dans sa tête, c'était une conférence. Puis après, chaque centrale prenait les morceaux pour donner des suites. Ceux qui avaient des liens avec tel pays, c'était, dans son idée, c'était ça. Et moi, j'étais dans l'atelier, je me rappelle, j'étais dans l'atelier où était Simone Monnet-Chartrand, le matin de la conclusion pour la plénière, où c'était fini, là, c'était le 15. Et là, on parle des suites. Comment on va donner des suites à la conférence? Et Simone, elle dit, s'il n'y a pas quelque chose qui est mis sur pied, qui va s'appeler « suite de la conférence » ou « la conférence », oubliez ça, dans un an, il va y avoir pas grand-chose qui va rester de ça. Parce qu'elle dit, c'est pas vrai qu'on va retourner faire le travail dans les régions. L'infrastructure est toute là. Les comités des régions là, sont toutes formés. Là. C'est les comités de la conférence. Pourquoi qu'on ne fait pas un travail de suivi sur ça? OK. Simone, l'animateur, il dit, t'en fais-tu une proposition? Elle dit, j'en fais une proposition. Simone Chartrand propose ça, puis appuyé par, bon. On arrive en plénière. Ça a fait un débat, dire ouais, comment ça va être. Fait que là, Simone, elle a dit, c'est pas compliqué, là. Un petit secrétariat, une personne. Secrétaire général, Robert Quevillon, c'est quoi ta job, là? Tu travailles où, toi, là? Tu as travaillé à la CISO, là. Que Robert Quevillon, là, soit le secrétaire général. Puis, les gens du conseil central, ils ont dit, ben le secrétariat, nous autres, on peut le trouver. Michel, il dit, on va trouver un local. Bon, le conseil central trouve le local. Les secrétaires, ils disent, on va leur donner ce petit boulot-là en passant. Ils vont être bien contents de faire ça. Bon, c'est parti. Et ça fonctionne. Mais les premières semaines, là, Michel Chartrand, il sortait de sa poche pour payer Robert. C'était son argent, lui, personnel, parce que ça ne s'était pas encore passé au conseil central, comme quoi que la structure du secrétariat, puis tout ça, ça a été voté comme ça. Mais là, il fallait que ça passe dans les instances aussi au conseil central. Il n'y avait pas de budget qui était prévu pour ça. Aussi certaine que le lever du soleil, notre solidarité aujourd'hui, c'est notre victoire demain. La restructuration, on peut dire de première étape, là, c'est que ça devient une table à 9 personnes à l'exécutif. Sont restées en 76, 77, 78, jusque dans les années 80, les deux centrales, c'est-à-dire Conseil central, la CSN, c'est CSN, CEQ, FTQ s'est retiré, Développement MP s'est retiré, Oxfam s'est retiré, et resté SUCO, Québec-Amérique latine, le secrétariat Québec-Amérique latine, qui faisait le travail de l'information, eux, sur le journal, et Québec-Palestine. Ça, et deux membres de chacune des organisations étaient présentes à la table, à l'exécutif. Il n'y avait pas de président. On travaillait par consensus. Ça, c'était Michel Chartrand qui voulait que ça soit comme ça. Et Robert Quevillon, avec droit de vote, représentait le secrétariat. Il était le secrétaire général. C'est lui qui convoquait les réunions, qui faisait l'ordre du jour, voir les procès-verbaux, etc. Moi, quand je suis rentrée en 76, parce que là, j'étais à la permanence, je suis supposée travailler 2 jours semaine, mais j'en travaille 5 parce que le budget donne pour 2, là, seulement. Le secrétariat Amérique latine, avec Guy Lafleur, c'était notre responsable à l'information, qui était d'ailleurs une petite équipe avec Claudette qui faisait le premier journal, CISO Solidarité.
Et le premier numéro est sorti un 1er mai. Où est-ce que c'est que là, on ramasse ce qui se passe dans ces pays-là qui ont participé à la conférence? Et là, on commence à penser de façon concrète comment on va faire la formation. Là, on s'est dit, OK, on fait l'information, on a imprimé, je pense, c'est 7 à 8 000 copies du journal Solidarité. Alors, on avait nos poteaux partout. La structure qui avait servi à préparer la conférence est toujours là, là. Alors, on appelait ces gens-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, à Rimouski, à Sherbrooke, à Thetford, à Drummondville, à Victoriaville. Partout où on a passé, ces gens-là sont là, puis ils attendent pas mieux, eux, qu'on leur donne des outils pour travailler, pour continuer à alimenter leur monde dans le coin. On s'est dit, on va faire des tournées, on va inviter des gens du tiers-monde, on va faire des tournées. Mais il faut faire plus, il faut alimenter et structurer mieux, puis mieux former les poteaux, nos équipes locales. Alors, on s'est dit, quoi de mieux que d'organiser des stages? Aller connaître le tiers-monde. Puis là, on pense à Cuba, qui n'était pas là à la conférence, mais qui, on est anticapitaliste, c'est bien marqué dans la déclaration finale, hein? Anticapitaliste, anti-impérialiste, pour un socialiste, des nouvelles structures et tout, et tout, et tout. Et là, on a Cuba à la porte, là, qui a fait une belle révolution. C'est tout jeune, ça fait à peine 10-15 ans. Puis pourquoi qu'on n'irait pas voir? Alors, Robert Covillon, Micheline Sicotte partent en stage. On dit, il y en a deux qui vont aller faire un stage. Comment serait le stage? Ils vont le faire, eux autres. Ils vont aller, là, on va demander, là, c'est qui là, qui vont venir en stage? Les gens du secteur public, les centrales, OK. Alors, on va aller visiter des écoles, des hôpitaux, des usines, le pouvoir populaire, assister à des assemblées syndicales, le pouvoir, tout, les groupes de femmes. On va essayer d'aller voir ça, un stage de 15 jours. La formation va se faire à travers, puis n'oublions pas que ces années-là, entre 75, 80 jusqu'à 85, là, en Amérique latine, là, c'est de la répression, puis de la répression, puis de la répression. Au Chili, on n'a jamais lâché le Chili, on a toujours gardé, on a toujours fait venir des gens du Chili, ou qui étaient en exil, ou qui étaient à l'intérieur, puis qui réussissaient à passer, puis venir nous informer comment ça se passait. Donc, ça, c'était notre boulot. L'information, il s'agissait d'enraciner la dimension internationale et que ça doit faire partie de notre quotidien. La solidarité internationale, là, c'est pas pour les voisins, c'est pour nous autres. Ça va commencer ici. Puis le monde qu'on a reçu, là, on garde les contacts, puis on va essayer d'aller les faire venir en tournée, puis parler avec eux autres, puis voir c'est quoi leur bataille, c'est quoi les nôtres, qu'est-ce qu'on peut échanger pour tout ça, pour que ce soit vraiment des échanges égal à égal. Que naisse et se lève l'aurore, nous voulons être écoutés, et que soit entendue la voix de nos peuples. Là, on arrive dans les années 80. Là, il y a le retrait du Conseil central et le retrait de la CSN. Le Conseil central nous donnait comme raison que c'était pour laisser plus la place à la centrale qui devait se préoccuper de la solidarité à travers, au niveau national. Il reste la CEQ, bien sûr, mais là, je me suis dépêchée à aller chercher la FIC, le SPGQ et le SFPQ. Ça montait à plus de 100 000 membres. Et les démarches qui ont été faites auprès de la FTQ, qui était intéressée à s'ajouter à la table syndicale. OK? Là, on roule sur ça. On clenche sur les stages, on clenche sur l'information, on fait le journal, on distribue, on revitalise, on réanime les régions. Comment? En allant chercher du monde qui font des stages, en invitant des gens de l'Afrique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, de la Palestine, on fait des tournées. Ça, là, on vise sur ça, information et formation. Et en même temps qu'il y a ça, en 80-90, l'Afrique australe, ils continuent, eux autres sont toujours dans le mouvement de libération, puis un après l'autre, ils ont leur victoire, ils arrivent à leur victoire. En Amérique latine, ça brasse aussi. Il y a aussi tous les gouvernements militaires, là, ils ravagent le monde, ils coupent les têtes syndicales, ils en finissent avec tout le monde qui bouge. OK? Et ça, le plus bel exemple, c'est Pinochet. Mais on pourrait dire la même chose d'Argentine. On peut dire la même chose de l'Uruguay. On peut dire la même chose du Paraguay, de Bolivie, de tout ça. Et là, ce monde-là qui brasse, ça rentre dans la clandestinité.
Et ça s'organise encore. Au Chili, il y a eu le plébiscite en 88. Le plébiscite, il y a une délégation de 13 personnes, dont des avocats, puis tout ça, qui sont allés. Yvon Charbonneau était de la délégation, Robert Quevillon, qui étaient présents au plébiscite. Le non a gagné. Après ça, le Pinochet s'est retiré. Bon, là, rentre une coalition. Là, nous autres, on s'infiltre. On va chercher des prisonnières. On les sort de prison. On ramasse toujours les réfugiés qui arrivent. On les aide. Ils s'intègrent ici, puis tout ça. Bon, on continue de travailler. On continue toujours le travail sur l'Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient. Des tournées, des stages, des missions, puis tout ça, là, ça, c'est dans le décor. On va toujours faire ça. Et là, l'Afrique, on est passé à l'Afrique francophone, Burkina Faso, qui avait déjà fait une révolution. Et là, c'était plus facile, c'était en français. Donc, il y avait des stages qui pouvaient se faire là, d'une façon tellement merveilleuse, parce qu'ils arrivaient là, c'était la même langue et tout. Avec la FIC qui venait de rentrer, on avait beaucoup de stagiaires qui voulaient aller en Afrique, parce qu'ils voulaient voir comment la maternité, comment les sages-femmes fonctionnent. Il y avait toutes sortes d'échanges de richesses, de techniques au niveau de la santé. La FIC a beaucoup, beaucoup profité. 90, là, il y a un petit changement dans le sens que le Fonds monétaire international, le PAS, qu'on appelle le Programme d'ajustement structurel, le PAS, là, ça passe partout. Ça rase partout. La grosse coupure de l'ACDI, là, c'est arrivé en 95. Nous, à CISO, on avait eu le gros de nos subventions, c'était à peu près dans ce temps-là. Moi, quand je suis partie, là, c'était vraiment, là, un coup très, 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 très dur. ACOSI commence à couper. ACOSI, c'est l'organisme qui regroupe l'Association québécoise de coopération internationale, qui regroupe une soixantaine, entre 50 et 60 ONG, OK? Ils sont tous membres. Et eux font des démarches pour une grosse enveloppe qui divise aussi aux ONG. Là, on voit venir ça. Là, se revient à CISO le Conseil central, revient la CSN en 96, je crois, après, oui. La FTQ revient avant. La FTQ revient comme observateur. Organisme observateur. Et là, on se dit, c'est loin d'être mort. Ça grossit. C'est quelque chose, ça, là. Alors, merci, 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 merci la vie. Ça, c'est absolument extraordinaire parce que là, tu as vraiment une table syndicale où est-ce que c'est un outil, en tout cas, qui est leur petite ONG syndicale, qui est la seule en Amérique du Nord. Hein? Ça n'existe pas nulle part, dans aucune province, qu'il y a un organisme dont la composition de l'exécutif est exclusivement syndicale et qui peuvent faire les projets qu'ils veulent. Et c'est libre à eux. Il me suffit de mourir dans mon pays et d'y être enterré, de m'y dissoudre et m'anéantir, de ressusciter herbe sur sa terre et de ressusciter fleurs, qu'effeuillera un enfant grandi dans mon pays. Il me suffit d'être dans le giron de ma patrie, terre, herbe et fleurs. Travailler à la solidarité internationale, c'est un plus pour tout le monde. Pour tout le monde. Surtout ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Allez faire un tour dans le tiers-monde. Frottez-vous au peuple, aux gens, puis tout ça, là. Je ne dis pas aller aux plages, là, mais tu sais, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que c'est, puis on revient, puis on est transformé, puis on est heureux. Puis là, on se décide on travaille ici. On fait quoi ici? On change ici. Changer des choses. C'est pas vrai qu'on ne peut pas rien changer. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais le lieu d'être réaliste, ça veut dire qu'il faut faire de quoi? Mais en même temps, sans perdre l'espoir qu'on peut changer quelque chose. Il y en a de l'espoir. Moi, je regarde les jeunes, là, puis il y a de l'espoir. Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait vivre. Ça te donne de l'énergie, ça te donne de l'oxygène, ça te donne un sens à ta vie. Sinon, pourquoi tu vas vivre? Pourquoi tu es là sur la terre? Tant qu'à ça, berce-toi comme une bonne femme là, à compter les heures, puis tic-tac de l'horloge, puis fais-toi des histoires. Mais il y a quelque chose de bien plus grand, puis bien plus stimulant en allant à une manifestation,
en s'engageant dans un comité, même si je suis consciente, des fois, j'apporte très peu, mais je suis là. Je suis là au lieu de dormir puis me bercer dans le salon. Puis tant que je serai là, puis Dieu veuille me donner la santé pour être là tout le temps. Ne souffre pas parce que nous gagnerons. Nous gagnerons, nous, les plus simples. Et nous gagnerons même si tu ne nous crois pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à ciseaux que dire longue vie? Il faut que l'héritage qui est laissé aux autres générations aille beaucoup plus loin parce que c'est inspirant. Parce que c'est quelque chose qui va rejoindre les pays du tiers-monde qui en arrachent bien plus que nous autres. Il faut y mettre le paquet avec d'autres qui croient à peu près la même chose, qu'on va ensemble, qu'on est capable de changer quelque chose. Moi, je pense qu'on est privilégié au Québec. Il faut être reconnaissant de ça. Et surtout, ne pas lâcher. Puis, comme disait l'autre, la lumière s'éteint dans un stade. Il y a une allumette qui reste, mais allume-la ton allumette. Puis tu vas faire le chemin à bien du monde au lieu de tomber dans l'escalier. Fait que, tu sais, c'est ça, ta petite allumette. C'est ça, mais t'allumes. T'allumes ce que tu peux allumer, puis tu fais ton bout. Avec ça, non, il n'y a rien de plus qui nous est demandé. Mais qu'on fasse le bout qui nous est demandé, c'est tout. Je pense, moi, en tout cas, à mon âge, là, j'ai pas d'autre chose à faire, mais il faut que je fasse le bout qui me reste à faire. Avec plaisir, avec joie.